Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode, cette nouvelle série sur, The Surge. Donc, The Surge, qu'est-ce que c'est? Alors, on va commencer par les bases. Certains d'entre vous, ceux qui ne me connaissent pas, ne comprendront pas ce que je vais dire. Je suis quelqu'un, enfin, ne comprendront, mais n'auront pas eu l'expérience de mon immense rage dans les jeux vidéo. Et j'avais dans mon oreille, ça sentait plus comme Jean-Marie Le Pen que comme Rambo. Bref, tout ça pour dire que il m'arrive d'énormément rager dans un jeu, souvent plus dans les jeux communautaires, puisqu'en fait c'est par rapport aux autres gens que je rage. Mais du coup, The Surge est un action RPG hardcore à la manière, enfin, dans le style des Dark Souls, bien sûr dans un autre style graphique, hein, c'est là pour le coup c'est plus un jeu post-apo futuriste, les Dark Souls sont post-apo médiévaux normalement. Donc voilà, il va y avoir de l'hardcore, de la mort, du décès, de la rage, des larmes, du sang, et je pense que c'est un bon jeu pour partir sur la série, enfin sur la chaîne pardon. C'est une bonne série sur laquelle on peut s'amuser un petit peu et vous allez pouvoir me voir rager dans ce jeu. Alors qu'est-ce que c'est que cette cinématique ? L'Antiquité disait, une société atteint son apogée lorsque les anciens plantent des arbres en sachant qu'ils ne profiteront jamais de leur bois. Nous avons tendance à l'oublier, à être négligents, mais ensemble, nous nous devons d'être à la hauteur. C'est à chacun d'entre nous de semer ses graines et de les faire pousser jusqu'à maturité. Pas une société comme les autres. D'accord. Ce projet résolve, nous construisons l'avenir. Suivez-nous dans cette nouvelle ère. Une utopie pour l'humanité. Nous guérissons notre planète en restaurant son bouclier naturel. Retrouvons le monde verdoyant de nos souvenirs, où nos enfants pourront à nouveau jouer sous le soleil. Alors je crois que c'était l'endroit où dans Gladiator ils sont allés tourner. Alors un grand merci aussi à Gamesplay.com qui m'a offert le jeu, donc ça c'est vraiment sympa de leur part. Ils ont bien vu que j'allais rager dessus, à mon avis, c'est pour ça que... D'accord. Ça a l'air sympa l'endroit. Bienvenue. Je sais que vous êtes content d'être ici. Moi aussi. Et je suis content de vous voir. Est-ce que tu nous vois vraiment ? Créo, vous savez qui nous sommes. Du moins, vous croyez ça. Il est vachement décalé de la... du siège, non ? Ou c'est moi ? Je peux me lever ? Non. Créo est l'un des plus grands fabricants de produits industriels et de consommation. Je suis obligé de regarder. D'accord. Bien plus, et c'est pour ça que chez Créo, nous visons toujours plus haut. Ok, Rousseau Station. Fusée. Nous avons toujours adopté une vision globale. Notre action dans le tiers-monde, le programme d'éducation Malleable Minds, et bien sûr, des projets tels que Resolve, qui profitent à tous. Créo ne veut pas seulement changer le monde. Non, c'est bien comme ça, la vue. Nous allons le sauver. Ici, aucune division. Chez Créo, nous avançons tous dans la même direction. D'accord. Alors, bienvenue dans votre nouvelle vie au sein de la grande famille Créo. Ok, pourquoi pas. J'ai l'impression qu'il est... Ah non, c'est bon, il a l'air bien. Mais j'ai l'impression qu'il est loin du siège. Je suis le seul à avoir cette impression ? Putain, ouais, d'accord. Autant pour moi. Ouh, il est dynamique. Wouhou. 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 Bref. Ok, donc l'escalier, j'imagine que c'est pas par là qu'il faut que j'aille. connard. Ok, il y a un trou ici. Wouhou. Putain, c'est Avatar ou quoi? Et c'est un gros côté Avatar, n'empêche, quand on voit. Ok, bon, pourquoi pas. Beaucoup d'effets qui me semblent un peu des effets cache-misère. Mais bon. Du coup, ça me dit pas où faut que j'aille.
Salut les mecs. C'est un cul de sac. Donc c'est pas par là. J'ai un dash ou pas? J'ai pas un sprint. Sprint. Bienvenue chez Créo. Ah d'accord, c'est la porte qui s'est refermée. C'est gentil. Veuillez vous présenter à l'enregistrement. Oui bah écoute, je vais esquiver tous les câbles qu'il y a au sol, sinon je vais m'arrêter net. Bon, il a une gueule, hein. Appelez. Avis à tous les passagers. Veuillez vous présenter à l'enregistrement. Cette station fermera bientôt ses portes. Oui, bah je fais ce que je peux, mais attends, t'as vu la descente? Oh putain, il y a une physique. C'est sans les mains, ça accélère tout seul. Wouh, on freine. C'est assez cool le début en fait malgré tout. Veuillez choisir parmi les deux postes à pourvoir et former une file d'attente ordonnée. Alors, brut, persistant, agile, versatile. D'accord, il y a deux armures de base. Le lynx, agile et versatile, je sais pas comment. Et un tank. Un DPS et un tank, ce serait ça? Bon, le rhino a l'air d'être balèze, hein. Je veux pas dire, hein, mais... Brutal! Phil le technician. Ah, attendez. Donc, on aurait une espèce de griffe et un HTC Vive, ok. Et là, on aurait une espèce de grosse lame et un Oculus. Enfin, c'est plus un Oculus là-bas et un HTC Vive ici. Non! Ah, je sais pas. Ouais, ça semble plus être l'HTC Vive ici. Avec un masque. On va partir sur celui-là, ça a l'air sympa de taper avec une grosse épée. Enfin, si j'ai le droit. Oui, j'ai le droit. Bonjour. Si vous pensez pouvoir déplacer des montagnes, Créo a le travail qu'il vous faut. Parce qu'en tant qu'opérateur, ce sera à votre portée. Puissance phénoménale et performance implacable, rien ne peut vous arrêter. Vous êtes prêt? Devenez opérateur et sauvez le futur. Ok, je t'ai entendu, Simone. Maintenant, oh là 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 là, oui, les marches, c'est... Ça, c'est quoi? Si vous aimez vivre à 100 à l'heure, Créo vous ouvre la voie vers le succès en tant que technicien de terrain. Léger, polyvalent et à la pointe de la technologie. Équipez-vous et sauvez le futur dès à présent. Ok, non, je vais prendre la grosse épée parce que ça a l'air de taper violemment. Je veux déplacer des montagnes. Sans cesse les limites. Ok. Soyez fort. Soyez implacable. Ok. Soyez opérateur. Prenez vos responsabilités. Je t'écoute. Je postule. Pôle emploi, bonjour. Le temps d'attente est d'environ 8 ans. Vous voulez une formation? Attendez 15 ans. Programme d'installation d'exosquelette en cours. Ah. Programme terminé. Patient sous sédatif. Quoi? J'ai pas l'impression d'être sous sédatif. Non, en toute honnêteté, j'ai pas l'impression. Ouh. Je suis pas sous sédatif, hein. Je crois pas, hein. De dos, c'est mieux. Ah, c'est ça qui va faire mal à mon... Ah là 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 là. Ça fait mal. Ah, mon cerveau, ma tête, mon dieu, mon pénis est mécanisé aussi. Mais c'est pas si mal finalement. Bref. Déjà, il y a une erreur dès le départ, donc c'est pas bon signe. Qui c'est qui en a profité pour me tabasser au passage?
Ah, je suis tracté par quelque chose. Bon, les graphismes, c'est pas ça encore. Putain, il essaie de récupérer la ferraille. Ok, why not. Pourquoi pas le bleu, hein, après tout. Hein, le bleu de travail, il est bleu de travail. Hein. Pourquoi pas. Bonjour, t'es un peu rouillé sur les bords. Hein. Oula, oula, t'aurais pu mettre l'arme un peu plus proche. Alors, redémarrer l'exo. Pour le désassemblage. Injection vitale. F pour utiliser votre implant. D'accord. Appuyez sur le bouton central de la souris pour verrouiller votre cible. Ok. Pour effectuer des attaques horizontales sur le bouton droit de la souris pour des attaques verticales. Vous avez... Couché. Je peux récupérer des bouts ou... Pièce détachée 15. Ok, cool. D'où est-ce que je viens? Alors, il y a une espèce de dash. J'ai un sprint, j'ai l'impression. Attendez. J'ai un sprint. Il est assez léger. Hein. Alors, je cherche... Je cherche un bouton de parade, mais j'en trouve pas des masses. Ok. D'accord. Ok. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant, intéressant. Oula. Double shot. Voilà. Boom, bitch. Ok. Terrasser vos ennemis pour obtenir des pièces détachées. C'est fait, je suis en train de le faire. Coucou. Tu veux voir ma bite? Elle est mécanisée. Bref. Raté! Je m'en doutais. Ok, bon bah pourquoi pas. Je peux pas récupérer de choses là-dedans. Ok. Décharge. OPS 07. Vous voyez, il y a une pancarte avec un truc médical. Donc je pense que c'est par là qu'il faut que j'aille. Mais il y a un truc ici. Ah ah! Ah, t'es pas malin, c'est pas comme robot, hein. Allez, retente ta chance. Non? Bon bah t'es bête, écoute. Qu'est-ce que tu veux que je te... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Salut les filles. Raté. Aïe. Oh, ça fait mal ça. D'accord, ouais, ça va être hardcore. Je voulais voir en fait... Est-ce que si je peux dasher comme ça, est-ce que je peux ensuite dasher en avant? Peut-être que c'est là qu'est l'astuce. Hein. E pour ramasser. Nouvel implant obtenu, d'accord. Why not? B médical à droite. Je peux pas... J'ai pas une pétoche. Que je puisse allumer tout ça? Non, tant pis. Bonjour. Ouah, ça donne envie d'y aller, hein. Station médicale, ça donne vachement envie d'y aller, ouais. Génial. Erreur détectée, votre noyau énergétique semble défectueux. Un noyau énergétique en état de marche est nécessaire pour utiliser toutes les fonctionnalités de votre exosquelette. Veuillez nous excuser de la gêne pour la gêne occasionnée. Contactez votre agent d'approvisionnement pour remplacer votre noyau énergétique. Cool. Un plan. Alors, analyse médicale, échange rapide, consommation de puissance de noyau 0. Fait apparaître les jeux de santé des ennemis. Je l'ai d'équiper ou... Capture de proximité, consommation de puissance du noyau. Ennemis un son lorsque vous êtes proche d'un objet ou d'un secret. D'accord, peut-être intéressant. Du coup, est-ce que je peux... Crac, crac. C'est quoi ça? D'accord, c'est quand j'aurai une certaine puissance, j'imagine. Contrepoids mécanisé. Obtenir un bonus de dégâts physiques aux armes. Bah oui, ça me semble bon, ça. Hop. Voilà, on va tout mettre après tout. Exosquelette, emplacement d'implant, 8. D'accord, ok. Pourquoi pas, why not, why not, why not. Stocker les pièces détachées, modifier l'apparence. Modifier l'apparence. Ah, je peux en avoir un black. Mais ça m'aide pas. Ok, on y va. Ok. Lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Oh, bonjour. Oh, ouais. Vous m'entendez? Oui.
Oui. Votre exosquelette a été endommagé. Son signal de détresse s'est déclenché. D'accord. Vous devez retourner dans l'usine. Bien. L'exosquelette est endommagé. Ok. D'accord, faut que j'aille sélectionner. Je pensais que je pouvais appuyer sur gauche, droite, haut. Ce truc fonctionne, enfin, assez pour moi. Bien, bien. Mais il vous faut un noyau énergétique pour le faire fonctionner. D'accord. On vient de m'attaquer au passage. Je vous connais pas. Il y a des morts partout tout autour de moi ici. Peut-être qu'on pourrait d'abord m'expliquer ce qui se passe. Je suis désolé, je n'en sais rien. Vous devez entrer dans l'usine. Vous pouvez peut-être fabriquer quelque chose pour vous défendre. Les bases d'opération ont toujours une unité d'assemblage d'équipement. Et comment on atteint l'usine? Bon, d'accord. Je vais me diriger tranquillement vers l'usine alors. Je vous déconseille d'y aller à pied. Il devrait y avoir une station de maglev pas loin. Elles ne sont jamais loin des bases d'opération. On dirait plus une IA en fait, c'est rigolo. Ok. Je suis en route. Soyez prudent. Alors excuse. D'accord. Établi, mais il n'y a pas de courant. Si. Amélioré. C'est cool. Merci. Alors excusez-moi, j'ai vu quelque chose là-bas. Je vais donc y aller. Wouah. Boum. Ok. Il va y avoir moyen de multi-dash en fait. On verra ça tout à l'heure. Je sais qu'on a un ennemi dans le coin. D'accord. Il y a une espèce de... Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont solides! Oh la vache! Ah ça pardonne pas. Ils sont extrêmement solides. Extrêmement solide. Alors première mort, c'est... Donc à mon avis je dois pas aller par là de base. Mais comme je suis descendu dans un trou, je suis nickel. Et j'ai plus de pièces détachées. Du coup je dois aller en récupérer sur mon cadavre. Sans doute. Ok. Et j'ai 3 minutes pour les récupérer. D'accord. La vache, mais ils sont 3. Comment je fais pour changer d'eux? Ok. J'ai récupéré mes pièces détachées. D'accord, il y a une espèce de son, donc il doit y avoir un secret dans le coin. Ok, je peux comboter vertical, horizontal. Why not? Ok. Mais du coup, j'imagine que... Ouais, je peux pas remonter. Ah putain, ça va être compliqué, hein. Ok. Attaque verticale, ils aiment pas, apparemment. Ok, on y va. Ok, c'est la zone de départ, j'ai reconnu. En fait, on descend de là, on est arrivé ici. Ok, c'est bon. Donc c'est faisable. Apparemment, les attaques verticales, ils sont vraiment pas fans. Aïe. Il y en avait un juste derrière, c'est pas pute du tout. Ok, donc voilà, il y a vraiment une espèce de différence de niveau, hein, vous avez vu. Hein. Là, c'est violent.
Ok. Putain, j'avais pas vu ça. X pour faire défiler les ennemis. Ok. Y pour ouvrir votre inventaire. Ok. Génial. Organiseur. Pour d'équipement. Ok. Équipement, j'en ai pas. C'est la fête. Ok. Coffre. J'y ai cru. J'y ai cru. Bon bah tant pis. Du coup, si je vais là-dedans, je suis automatiquement régène. Voilà. Mais on va faire le test. Il y a un repop. C'est ça. Oh, trop gros pour moi ça. Non, non, va-t'en, c'était bien, va-t'en, non, 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 viens pas t'embêter avec moi, s'il te plaît, c'est pas de soucis, hein. C'est, je vais juste... C'est un quab. Rendez-vous aux bases d'opération pour fabriquer des objets et modifier vos implants. Mais t'es rigolo, toi, je peux pas. Comique. Ah, c'est pas une base d'opération, c'est... Si, normalement, si. Et bon, j'ai juste que j'ai pas ce qu'il faut, quoi. C'est pas grave. Revenez quand vous voulez. Bah, quand je pourrai, quand il y aura un intérêt à revenir, oui, je reviendrai. Oh, partie du corps. Tête, bras droit, ça a l'air sympa, hein. Ah, viser la tête non protégée, d'accord, ok. Bon, faut absolument que je vise la tête. Ok. Wow. Comique. Ah non, je crois que t'as explosé. Ok, pourquoi pas. C'est quoi ça? Nouvelle Vita Boost, d'accord. Ad vitam aeternam. Ok. Y'a plein de secrets là-dedans ou... Bordel, pourquoi vous n'écoutez pas? Vous devez améliorer votre noyau énergétique ou le remplacer, sinon vous n'êtes pas prêt de franchir cette porte. Si vous continuez à essayer de le surcharger sans la capacité d'énergie appropriée, vous allez avoir la sécurité sur le dos. On n'a pas fait tout ça pour se faire choper maintenant. Ces implants valent un paquet de fric. C'est notre ticket de sortie. Ne foutez pas tout en l'air. Ah, ils ont pas de partie du corps, ceux-là. Je peux pas couper les ailes. Aïe, putain. Coucher. Ok. Les exo-élévateurs. Ok, finalement je vais retourner là-bas. Équiper un torse pour utiliser les lumières. Ah, d'accord. Apparemment il y a un secret au niveau du bonhomme là-bas. Et je sens que ce bonhomme va être dur. Attendez, je sors mon téléphone parce que j'ai senti une vibration, mais non. Ah, c'est pas loin, hein. Donne-moi ta jambe! Merci. Petit tas de matériaux recyclables. D'accord. Why not? Depuis l'inventaire directement, d'accord. Why not?
Pas si complexe pour le moment. Oh, noyau Atlas. Oh, d'accord. Oui, j'ai bien compris, merci. Il y a un secret là. Petit tas de ferraille recyclable, d'accord. Why not, hein, moi ça m'intéresse, hein. Bonjour. Ok, je vais là-dedans. Erreur résolue, votre noyau énergétique a été détecté. Réinitialisation du système. Niveau du noyau, utilisez la station médicale pour sauvegarder vos pieds détachés. Si le montant total détaché que vous possédez pour sauvegarder et collecter est suffisamment élevé, vous pouvez améliorer l'absence de votre noyau. Du noyau de votre exosquelette, pardon. Exosquelette, les implants et équipements installés consomment une portion de votre puissance de noyau total. D'accord. Bah écoute. Fais péter. Voilà. En termes d'implants, j'ai cru voir des choses. Il faut que je sois niveau 15, 25, 35, 45. D'accord. Et du coup, est-ce que j'ai... Utiliser le bon. Bon d'équipement utilisé. Plan pour jambier Rhino. D'accord. Plan pour bras Rhino. Plan déverrouillé. D'accord, ok. Établi. Ouh. Pneumatique MK1. D'accord. Améliorer. Est-ce que je peux améliorer quelque chose? Ok. Plan et composant. Donc il me faut des jambes, j'imagine, et des trucs de bras, quoi, en fait. Ok. Et là, il me faut... Oh! Ça, je peux l'améliorer ou pas? Non, j'ai pas ce qu'il faut. D'accord. Mais il me faut en plus des pièces détachées, il me faut des objets. Vous avez vu, des bouts. Ok. D'accord, intéressant. Du coup, tout le monde va avoir repop. Ok, on en est où dans l'épisode? On a 27 minutes. Merci pour ta tête. Qu'est-ce que ça m'apporte donc? Rien du tout. Je crois pas, il y a une sorte de bouton E qui apparaît plusieurs fois là. J'aimerais comprendre comment ça... à quoi ça me sert en fait. C'est pour la découpe, je sais, mais... Ça par exemple, je veux bien son bras droit, vous voyez. Voilà, j'ai découpé son bras droit. Et je peux le ramasser, voilà. Astir Spectre Bite. Ça a l'air sympa ça. C'est quoi ça? Je sais pas si j'ai vraiment envie d'aller là-dedans. Hein. Ok. Implant org équipement. Ah, je les ai. Ah, j'en ai, d'accord, ok. Bah écoute, ouais, équipe, hein. Pas de soucis, hein. J'ai toute une jambe. J'ai un côté, quoi. Noyau Atlas. N'écoutez pas. Vous devez améliorer votre noyau énergétique ou le remplacer, sinon vous n'êtes pas prêt de franchir cette porte. D'accord. Si vous continuez à essayer de le surcharger sans la capacité d'énergie appropriée, vous allez avoir la sécurité sur le dos. On n'a pas fait tout ça pour se faire chauffer maintenant. Ces implants valent un paquet de fric. C'est notre ticket de sortie. Ne foutez pas tout en l'air. Couché.
Ok, bon bah pourquoi pas. Commande de la porte. Ok, génial. Commande de l'ascenseur. Ah ok, c'est pas un ascenseur. Merci. Je le vois. C'est encore plus terrible quand vous voyez le truc que vous voulez, chers amis. Mais ça me sert à quoi? Je peux pas y aller, on est d'accord. On va essayer de voir si je peux pas casser les objets au sol. Non, apparemment non. Donc cet endroit, il me sert à quoi, véritablement, finalement? Je peux pas passer, j'ai récupéré un succès, enfin un truc. Donc c'est pas par là, donc c'est bien à l'autre côté qu'il faut que j'aille. Tu te calmes, jeu. Donc, apparemment il y a un truc que j'ai oublié dans le coin là. Mais alors qu'est-ce que c'est? Là il n'y a pas de courant. Donc il me dit de pas y aller, mais en fait c'est bien par là qu'il faut que j'aille, c'est ça, c'est... Garde montage. Découper les parties du corps en armure, donc. Son bras droit pourrait être utile, peut-être. Son bras gauche, pardon. Ah non, sa tête alors, c'est parti. Aïe. Aïe. Oh d'accord, faut vraiment que j'apprenne tous les trucs des... Je pensais pas à un double coup. Je pensais pas à un double coup, honnêtement. Je l'ai pas vu venir. Toutes les ficelles du métier, finalement, hein. Là, faut aller chercher mon cadavre. Est-ce que t'as le même bras que l'autre bonhomme ou pas? Parce que du coup, je vais te brandre ton bras gauche, je suis désolé. Hop, voilà. Merci. La jambe gauche, c'est comment? C'est pas en armure. Donc je vais te prendre ton cadavre. Ah la vache, c'était un coup ça. Et attendez, il a une tronçonneuse lui. Finalement, je vais te prendre ton bras. Merci. J'ai pas réussi. Ok, dommage. Ah ben aimé sa tronçonneuse moi. Ça avait l'air sympa. D'accord, y a pas de tranchage réussi forcément. Ça ce sera ton corps. Putain, à chaque fois je me fais avoir par ce coup. Ah putain! Putain, mais ça fait deux fois! Bah, je vais crever! Putain, mais c'est saoulant! Putain! Mais non! Voilà, donne-moi ton corps! Ton corps de rêve. Torse lynx. Bon, on va rentrer, on va essayer de
de choper toutes les... Ah cool, j'ai une maîtrise d'armes. Est-ce que ça veut dire que je vais faire plus de dégâts? Je ne sais pas. On va essayer de récupérer tous les bouts de ces armures simples. Station médicale. Ok. Donc là ça m'a régène. Là je peux construire des bouts. J'ai des plans. Mais est-ce que j'ai ce qu'il faut pour les récupérer? Putain oui ça d'accord, j'en récupère, j'en ai regardé, j'en ai 3. C'est quoi ça? Torse lynx, d'accord. Ça c'est quoi? Protège bras lynx, d'accord, ok. J'ai pas chopé d'armes. J'aurais juré avoir chopé des armes. Bah voilà. Ah je l'ai donc. Je l'ai donc, on est d'accord. Je peux pas en avoir deux. Je peux pas en avoir deux. On va essayer avec ça, on va bien voir. Ça semble un peu plus balèze. Par contre j'imagine que je vais être plus lent. Yo l'ami. Je sais pas ce que je lui coupe. Le bras. Voilà, et donc du coup je récupère de l'alliage de tungstène. De tungstène, pardon. Lui, tronçonneuse. Hop, tronçonneuse. Merci. Je récupère donc une nouvelle arme qui elle doit être rapide, je pense. Vitesse moyenne. Eh bah écoutez, on va la prendre, ça me plaît la tronçonneuse. Lui. À chaque fois je me fais avoir pour ce coup là. Aïe. Ok. Ok, et je découpe. Torse de lynx cassé. Ok. D'accord, ils ont un gros dash. Et les deux, j'essaierai de viser la tête. Aïe. Merci pour ta tête. Est-ce que je l'ai eu? Non, casque de lynx cassé. Plan pour casque de lynx, d'accord, ok. Je commence à comprendre. Est-ce qu'il est parti l'autre? Où est-ce qu'il est parti l'autre? Là. Yo l'ami. Tu sais quoi? Tu as mené ta jambe. Merde. Bien joué. Donne-moi ta jambe gauche, voilà, merci, je sais qu'il y avait rien à choper dessus. Voilà, donc ça donne rien de prendre les jambes qui... Enfin, les bouts qui n'ont pas d'armure. Plus une partie de corps sur dégâts, plus elle a de chances d'être tranchée, d'accord. Ok. Ça, je comprends. Je comprends le principe. T'as pas une jambe gauche? Bon, tant pis. Aïe. Aïe. C'est extrêmement dur. Hein. C'est extrêmement dur.
Et là, pour aller récupérer mon truc, je vais prendre plein de temps. Mais t'es rigolo, avec toutes les esquives, il y a une espèce de d'énergie totale. Tu vois, regarde, il y a une espèce de... Non, désolé. Ok. Toi, ce sera la jambe droite. Hop, c'est bon. Crac. Putain. Allez ! Ouf, c'est pas passé loin. Ok, qu'est-ce que je récupère là-dessus ? Il y en a un deuxième apparemment, c'est cool. Ok, la tête. J'ai pas vu la tête rouler. Apparemment c'est bon. Ok, on y va, on se dépêche parce que là on a autre chose à faire. Bien tenté. Ce sera ta tête. Putain, c'est une question de portée. Aïe, la vache. Et celui-là, il la repose. Vous avez vu, la plupart faisaient le haut et lui, il repose derrière, quoi. Ok, maîtrise d'arme augmentée, une main niveau 3. Je sais pas à quoi ça correspond. Il faut surtout que j'aille récupérer mon arme. Qui va être avec cet homme. Ok. Chaque fois je me fais avoir. Donne-moi ta tête. Et m'emmerde pas. Ok. Et je récupère toutes mes pièces. Plus, ici quelque chose. Un petit tas de ferraille. Appuyez sur S en sprintant pour sauter. D'accord, ok. Donc je peux sauter. Fou. Ok, ok, ok. Bon, on aura fait plein de fois ce bout là, mais je pense que ça va être un... Comme c'est un die and retry, je pense clairement que pour le coup, il va nous falloir du temps hein, pour avancer dans le jeu. Donc on verra bien. Crac. Je me rentre, je vais voir ce qu'on pourra construire. Et on va cesser là pour ce premier épisode. Établi. Je peux construire un casque. Je peux peut-être améliorer des choses aussi. J'ai ce qu'il faut. D'accord. J'ai pu l'améliorer, donc elle est de rang 2 maintenant. Alors exactement à quoi ça correspond, je ne pourrais vous dire. Je peux me faire un deuxième bras. Et une tête. Ok. Nous voyons ça. Ok. Bras gauche. Hop. Ce sera celui-là. Merci. Voilà. Bon, on commence à avoir quelque chose. Il va me falloir un corps, un torse bientôt aussi. Ce serait peut-être pas mal. Ok. Parce que j'imagine qu'en fait, mes ennemis focus ces endroits où justement je n'ai pas d'armure pour pouvoir être le plus efficace, si je puis dire. Ça me semble logique. Vas-y, fais-toi plaisir, c'est pas grave. On ira les farmer s'il faut.
Emplacement d'implant déverrouillé. D'accord, ok, cool. Et donc je peux mettre... Augmente la santé maximale proportionnellement à la puissance du noyau. Oh, cool. Proportionnellement à la puissance du noyau. Donc ça vaut vraiment le coup d'améliorer le noyau. Ok. Ok. Bon bah écoutez, chers amis, du coup nous on va se laisser là pour cet épisode. Merci d'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Je sais même pas comment je peux sauvegarder dans le jeu, c'est cool. Ok, je sais pas. En espérant que la chanson m'aura pas niqué mes droits d'auteur. Salut les gens!